Bonjour tout le monde, ici Orphea 2012. Je suis sur le serveur de la communauté, à l'endroit où je fais donc ma décoration du dimanche. Et là, j'ai laissé tomber la nuit. Je pourrais remettre le jour, mais ça m'amuse bien de voir les monstres dès que le jour arrive, cramés. Mais quelle heure est-il? On ne sait pas. Oula! Nous allons remettre le jour, certainement. Ta-da-da-da! C'est pas comme ça qu'on fait. Hop là. Et là, nous allons constater que les monstres crament. Ouais. Oh, c'est un peu cruel, je trouve, quand même. Mais voilà. Eh, il y en a un carien là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, quand même. Il attendait. Il attendait un petit peu. Il s'est dit, on va pas cramer tout de suite. On va écouter ce que dit Orphéa. C'est très, 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 très intéressant. Et moi, je récupère toutes les tous les trucs qu'il nous donne, les monstres en cramant. Voilà. Pardon les araignées. Ça je mets dans mon coffre. Et quand j'aurai une poubelle, je mettrai ça dans la poubelle. Et tout le monde pourra se servir. Non, ce sera recyclé. Voilà, c'est ça. C'est que sur le serveur de la communauté, nous avons un truc de recyclage. Alors, attends. Oh, c'est méchant. Ouais, il y en a 5. Je croyais que j'en avais plus. Non, que j'en avais que 4. Bon, c'est pas grave. Alors, tout d'abord, je vais déjà vous dire que j'ai avancé un petit peu ma décoration ici. J'ai pas méga eu trop le temps de venir. Là, le mois de décembre est un petit peu beaucoup speed, déjà parce que bah, c'est le mois de décembre, hein. Donc déjà on a plein de choses à faire, déjà parce que Lucie est malade, Violette est malade, et moi et ma Phoenix nous commençons à être malades. Le chien ça va, ou à première vue ça va bien, elle mouche pas, elle éternue pas, elle dit pas qu'elle a mal à la tête, donc c'est bon. Nous on a tous une crève d'enfer, donc du coup pour filmer c'est pas forcément évident. Marc a énormément de travail en ce moment. Moi, niveau santé, eh ben, à part le rhume, sinon les jambes, ça, il semblerait que je vais avoir une petite accalmie. Alors chut, attends, je touche du bois. Donc ça, c'est pas du vrai bois. Ça, c'est du vrai bois chez moi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ma tête, donc c'est du bois. De la peau de singe aussi, ben, y a moi. Ouais. J'ai une photo de Lucie, je vais toucher la photo de Lucie aussi. Bon bref, donc pour l'instant, malgré les rhumes, malgré le mois qui passe vachement vite, malgré le moral est bon. Donc du coup, hier, je suis venue et j'ai fait tout ça. Yes! J'ai bien travaillé, mais c'est vrai que sur Minecraft, comme sur tous les jeux en général, hein, il faut être quand même de bonne humeur, petit, hein, pour faire des vidéos, parce que si on fait des vidéos dans lesquelles on fait la gueule, bon, c'est pas la peine, hein, si on est là pour faire la gueule, c'est pas marrant. Il faut avoir envie aussi, parce que si on fait une vidéo en se forçant, obligatoirement, elle sera naze, et je suis navrée pour les personnes, des fois que je suis sur YouTube, ça se voit. Ouais, ça se voit, ça s'entend et ça se sent, donc voilà. Alors, hier, avec Marc Phoenix, nous avons diffusé la première vidéo de notre nouveau défi en amoureux. Parce que, ben, hier, voilà, on était de bonne humeur, on avait vachement envie de s'amuser sur Minecraft. Enfin, on a tourné la veille, on a tourné le vendredi. Mais voilà, on avait trop envie de s'amuser, on savait pas ce qu'on allait faire, on est allé sur notre serveur où on a fait notre défi construction maison moderne, tous les deux, et on a fait donc, on a commencé à faire nos maisons du Père Noël. On remarque qu'il dit que la mienne c'est pas une maison du Père Noël, oh! Alors faudra aller voir, hein, pour me donner votre avis. nous avons tourné 6 épisodes. Ah, 6 épisodes. 4 épisodes. Enfin, le dernier est pas fini, mais on a tourné déjà 3 épisodes et demi, 3 quarts. Et donc, il y aura une diffusion, plusieurs diffusions par semaine. Et le dernier épisode arrivera le 25 décembre, le jour de Noël. Voilà.
Ah bah je vous conseille cette série parce que franchement on a bien rigolé. Et dans l'épisode 3 en plus, il y a Lucie et Violette avec nous. Donc voilà. Et puis pour le dernier épisode, il y aura aussi Lucie et Violette certainement. Sauf, on verra. On verra comment on fait parce que c'est un petit peu du sport de filmer avec Lucie et Violette. Surtout Violette. Voilà. Alors, malgré tout, hier... hier soir, je suis venue pour continuer ma maison, ma construction de ma place moderne. Donc la place moderne, elle est là, elle est presque terminée, il en manque encore un petit peu, mais ça, bon ben, ça va être fait petit à petit, hein. Il y a un trou, oh là 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 là, ça arrive, hein, c'est normal, c'est pas grave. Mais alors là on va avoir un truc parce que c'est hyper marrant. Et d'ailleurs suivez mon blog parce que sur mon blog je fais des captures d'écran pour voir un petit peu ce qui se passe là. Et bah oui, bah faudra aller voir sur mon blog. Souvent ici les monstres restent se cachent ici. Ah, c'est des coquins, hein. Se sont dit tiens, on va te rouler un peu Orphée. Oh la vache, il est beau ce cheval là-bas. Ce cabre en plus. Bonjour cheval. Les moutons ne comprennent rien du tout. Alors, voilà. Bon. Donc, le but du jeu de ma construction, c'est donc de faire une place, certes, mais également de faire des logements autour, comme ça se faisait sur les places à l'époque. La place que je copie date de quand? J'ai même pas regardé, j'avais dit que j'irais voir. Je ne la copie pas, je m'en inspire. Parce que ça ressemblera pas à... pile poil à ça, hein, quand même, faut pas non. Tiens, t'as vu? Eh, il a popé là, ça va? Ouais? Eh, attends, je vais te montrer un truc. Tiens, tiens. Ouais, tais-toi, je te montre un truc. Viens voir, là-bas il y a le Père Noël. Là. Oh, il est pas content en plus, il grogne. Bon, c'est tout, on va le laisser, il va peut-être me suivre à un moment. Bon, pas content. Bon, bref. Donc là, on a donc ici, ça pourrait... Je sais pas comment c'est dans la vraie vie, hein, la place dont je m'inspire. Mais il y en a beaucoup, hein, des places de ce genre-là, hein, en France et en Europe. Je crois qu'il y en a en Allemagne aussi. Mais bon, j'ai pas été chercher non plus... J'ai mon idée en tête et puis voilà. Ça va faire donc deux logements qui seront coupés en deux comme ça. Donc ici, on a un premier logement. Là, ici, il va falloir que je coupe en deux à l'intérieur. Donc, j'ai fait du plancher en bouleau. Parce que j'avais pas envie de faire trop foncé et à la limite après c'est pas compliqué de refoncer en mettant une fois de temps en temps un morceau de planche d'une autre couleur ou un bout de bois carrément, je sais pas, on verra. Voilà, donc ça va faire comme ça. Marc Phoenix va m'aider à faire ça, peut-être pas en utilisant Word Edit, parce que bah, il a compris que ma volonté est de faire un petit peu à la main, parce que c'est exactement la même chose que quand je faisais ma déco avant. J'aime bien que ce soit accessible à tous, sans mode, sans pack de ressources, sans tout plein de choses, voilà. Et donc, il va m'aider à faire un petit peu à la main. Donc, pour l'instant, moi, je faisais le montage. Et il viendra m'aider pour faire la suite.
J'ai fait... Ah, mais oui, attendez, attendez. Oh, je fais un petit peu n'importe quoi. Je suis... Ah. J'aime pas trop ça, hein, parce que je trouve que les gens qui se la pètent, c'est pas beau. Mais je suis assez fière quand même, parce que là, j'ai même fait les fenêtres. Donc, ça va faire des pièces traversantes. Et là, on voit déjà ce que ça va faire de devant et de derrière. Et ben j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et il fait à peine noir, il y a déjà un creeper. Ou c'est un creeper qui se promenait, peut-être. Je sais pas. Oui, la phrase que dans la vraie vie, non, tu diras jamais, t'entendras jamais. Alors, ici, j'ai donc fait ça. On va prendre ça. Hop là. Te plaît. Donc là, ça fait 4. Et aucun rapport, enfin si un petit peu... attends. On recommence comme avant, hein. C'est pas parce que je suis plus sur la même map que c'est différent. On recommence exactement comme avant. Je fais tout sans rien prévoir, hein. Mes vidéos, c'est à la one again. On m'a fait le reproche il n'y a pas longtemps en me disant qu'il fallait que je prépare ce que j'allais faire. Je vois pas pourquoi. Ok, peut-être que des fois je dirais un peu moins de bêtises, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 avec celui-là. Mais moi je veux impérativement garder ma fraîcheur et la découverte et tout ça, donc c'est pour ça que je calcule pas quoi. J'avais pas forcément prévu de faire ça, mais je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner en grandeur. Visuellement, ce que ça allait donner. La pierre qui est par terre, elle est pas trop trop pratique parce qu'en fait, je ne vois pas trop la différence entre ce que je fais et ce qui est déjà mis. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Après, comme tout, hein, il suffit de faire marcher 2 secondes son cerveau. Ça va aller, il y a un archer là-bas. Mais l'autre jour, il y avait un archer ici, il était en train de prendre feu, dis donc. Mais il a couru dans l'eau. Et vous verrez dans un goodies comment il a terminé. Ça s'épuise, hein. Les archers, ben, ça meurt de fatigue. Je ne savais pas. J'ai découvert. C'est un goodies qui va passer aussi pendant les vacances de Noël. Franchement, pendant les vacances de Noël, vous allez normalement pas trop vous ennuyer, hein, parce que Marc Phoenix et moi-même serons là pas mal de fois. Et attends, j'ai un petit peu de mal à gérer là. Non, c'est pas ça que je voulais mettre, c'est ça peut-être. Ah, ça c'est rien, c'est ma souris qui déconne. Ouais, je sais. En ce moment, c'est un peu galère. Souris, ordinateur, clavier. Oh, waouh, waouh, waouh. Je ne sais plus comment je vais faire ici pour faire le virage. C'est ça le problème. Peut-être comme ça en fait. Ouais, normalement. Normally, c'est comme ça. Hop là. Hop. Donc oui, avec Marc. Bon, moi, il y aura toujours mes vidéos habituelles, comme d'habitude, la vidéo du mardi sur ma map hors norme, ma vidéo du. Hop, il y en a trop. Attends. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est bon. Ma vidéo du mercredi. Ah ben, non, les vidéos avec Marc Phoenix, que je vous dise tout de suite quand est-ce qu'elles vont être diffusées. Attendez, hein, j'arrive. Faut que je prenne mon agenda. Elle est où la page? Eh ben, elle est pas là.
Ah bah, elle a disparu la page, mais ça c'est con. Alors donc on a diffusé le 19 notre premier en amoureux. Il y aura lundi 21 le numéro 2. Le numéro 3 le mercredi 23 et le numéro 5 le vendredi 25. Voilà. Et il y aura encore il y aura mes aventures en plus. Donc pendant les vacances de Noël, vous risquez pas de nous oublier. On sera toujours là. Donc, pour faire la place, c'est un petit peu du boulot, mais à la fin, ça va donner normalement vachement bien. J'ai hâte de vous montrer tout ça. J'espère que je vais réussir à aller vite. Hop. Bon, puis vous êtes peut-être en vacances. Donc j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes vacances de Noël. Et puis, régalez-vous bien, dévorez bien Noël. Nous, on a prévu plein de choses. Hop! On va faire plein de gâteaux avec de la chantilly. Je vais faire un gâteau damier. Marc va nous faire tout plein de trucs avec de la chantilly. Et là-dedans, salé ! C'est là que tu te dis heureusement que je suis pas en créatif, parce que sinon il y aura déjà tout plein de destruction. Et ça va pas, non ? Là vous êtes un petit peu nombreux hein, quand même. J'aime bien les araignées quand elles sont tout en haut. Ah bah oui, il manquait un copain, il manquait un creeper quand même. Bon, on va remettre de la lumière. Parce que le souci, c'est que là, je suis... Enfin, le souci qui n'en est pas un. Je suis sur le serveur de notre communauté et je ne suis pas seule. Non, non, non. Donc, il y a des gens qui vont venir alors qu'il va faire nuit. Donc, il y aura toujours des monstres là. Donc, il faut que j'éclaire au maximum. Par contre... Voilà. C'est chaud, hein. Oh, que fait chaud. Mouille. Ouh, la chaleur. Chaleur. La fièvre du samedi soir. Hop là. Alors. Oh, le méchant. Il est sauvé. Il s'est dit, je ne veux pas crever devant elle. Elle le fait exprès. Ouais. Bon. Donc, obligatoirement, les monstres vont popper. Donc, il faut que je mette de la lumière un peu partout. Toi, l'araignée, là, tu crois que t'es bien? Hop là, pardon. Donc, j'essaie de faire avancer ma place le plus rapidement possible. Bon, comme je vous disais, en ce moment, au niveau du timing, c'est très très court. Oh. Ah mais ça va pas, on croirait des chauves-souris. Ah, c'est fait mal en plus, l'araignée. on est un petit peu court, mais on va quand même assurer nos chaînes, Marc et moi. Et vous faire plein de vidéos pour que vous passiez de bonnes fêtes de Noël. Et on sera là tous les jours, même au moment des réveillons. Et quand je dis là, ben, ah, t'es pas folle toi. Nos vidéos sont tournées d'avance, bien évidemment. Donc on va gérer pour avoir des vidéos tout le temps. Mais aussi, si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez nous mettre un message sur nos chaînes, nous serons là pour y répondre. Nous ne partons pas en vacances. Non, non, non. Hop là. Alors, on va me dire, mais pourquoi tu pars pas en vacances? Parce que c'est vrai que c'est pas... tant qu'à faire. J'anticipe les questions. Orphée anticipe tout.
Parce que bah, cet été, il y a eu beaucoup de vidéos, parce que même pendant les vacances, même les jours fériés, tout ça, on est toujours là. Non, nous ne partons pas en vacances. Marc a un métier qui fait que quand tu es indépendant, si tu t'amuses à ne pas être là, surtout que on en est encore au début de la boîte, donc tu peux pas te permettre. Donc c'est pas grave, les vacances, on en prendra plus tard. Et voilà quoi. Parce que comme je dis, hein, le pognon comme ça tombe pas du ciel. C'est comme tout, hein. Il faut toujours travailler, que ce soit dans n'importe quel domaine. T'as pas tellement de pause. Et puis bah moi avec ma santé, malheureusement, on ne peut pas partir où on veut. Déjà parce que j'ai un traitement qui se transporte pas trop facilement. Ça doit rester au frais déjà, donc bon, bah, d'accord, tu peux prendre ta glacière, mais bon, le frigo, c'est quand même meilleur pour être sûr de bien conserver ton traitement. Et puis, bah, moi, je marche pas trop, donc du coup, qu'est-ce que tu vas me traîner par mon parvo? Quand je disais qu'en ce moment, j'ai une accalmie, c'est juste qu'en ce moment, j'arrive à monter des escaliers sans faire une pause, hein, voilà, donc... Voilà, c'est. Hier, j'ai réussi à faire de la pâte à brioche sans avoir besoin de m'asseoir pendant que je mélangeais ma pâte. Donc l'accalmie est quand même petite. C'est quand même pas le meilleur truc du monde non plus. Tu veux prendre la barre? Eh bien, on va prendre la barre. Bon, allez, viens avec moi, on va prendre la barre. Wouh! Allez, le creeper, prends un bain, prends un bain. Je veux que tu ailles prendre un bain. Hop là. Allez, bravo! Il a fait plouf! Oui! Ouh là là! Ah. Allez. Tu reviens avec nous? Je sais pas s'il peut remonter le creeper en fait. Bon bah si, je pense. Non? C'est pas. Bon bref. Donc, à la base, c'était pas une vidéo où je devais blablater tout le temps, mais bon, Orphéa qui blablate pas, c'est pas Orphéa. Et j'ai quand même déjà fait tout ça. Donc, après, ben là, ça va faire les deux étages. On va mettre où? Ici? Non, ici. Pour faire l'autre étage, est-ce que ça va pas faire un petit peu trop bas? Alors, on va regarder ensemble. La vidéo dure un petit peu longtemps. Je suis désolée parce qu'en plus j'ai encore quelque chose à vous dire. Alors on va là. Bon non, ça va, c'est pas trop haut de plafond. Dans la vraie vie, je pense que c'est beaucoup plus haut de plafond que ça. En même temps, je suis en train de me demander si je l'ai mis au bon endroit. Oui. Mais bon, parce que j'ai habité dans des logements qui étaient inspirés de ça. Quand tu te trouves dans un logement avec une hauteur de plafond assez énorme, tu te demandes ce qu'ils ont mangé avant de le faire. Quand tu as 2,80 m passés de plafond, tu te dis merde, ça fait haut, que belle. Alors, par contre, ça me plaît moyen. Bon, bref, aussi, je suis en train de réfléchir parce que. Ah. Puis on va finir là-dessus. Je suis en train de réfléchir à un sujet de vidéo. Parce que je vais bientôt avoir 2000 abonnés. On n'y est pas encore, hein. Là, aujourd'hui, au moment où je tourne, je suis à 1920, 21, 22, je sais plus. 1920, on va dire. Donc,
Donc je suis en train de réfléchir parce que c'est vrai que pour les 1500 abonnés, Marc m'avait préparé un cadeau. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et bah pour les 2000 abonnés, j'aimerais bien faire un petit quelque chose aussi. Je ne sais pas encore, mais je vous réserverai une surprise. Et à ce sujet, je vous remercie énormément pour tous vos commentaires, pour tous vos messages qui sont très souvent adorables. Vos encouragements, parce que c'est vrai que là dans l'aventure de vendredi, j'ai eu un bug de map, je suis morte comme une crotte. Mon Marc Phoenix m'a expliqué que ça pouvait ne pas être un bug. Toutefois, la map a changé, que ce soit la forme de la map ou la couleur de la map, il y a des blocs qui ne sont pas. Je pense que la map a bugué, mais c'est pas grave. De toute façon, en 2007, je vous réserve une surprise pour l'aventure du vendredi. Donc, cette aventure va bientôt s'arrêter. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que je vous remercie énormément pour tout. Et puis, je remercie tous mes abonnés. Vous êtes vraiment adorables. Et ça me fait vraiment plaisir de faire des vidéos alors que je sais que je vais avoir énormément de messages très sympathiques. Là, j'ai eu une paire de trolls la semaine dernière, mais bon, oh, qu'est-ce que tu veux? Ah, ça, c'est quelque chose qui ne sera jamais en voie de disparition, donc faut faire avec et puis les bloquer directement, c'est même pas la peine de s'embêter. Faut pas se démoraliser à cause des commentaires méchants ou des pouces rouges. Souvent ils ont pas regardé la vidéo, ils te mettent un pouce rouge parce que voilà. Donc voilà, comme je vais avoir bientôt 2000 abonnés, je pense vous réserver une petite surprise. Quoi, je sais pas encore, mais d'avance, je vous remercie toutes et tous pour vous être abonnés à ma chaîne. Et puis de faire de la publicité parce qu'il y a des gens qui viennent sur ma chaîne et qui disent je viens parce que un tel est abonné à ta chaîne et m'a dit que tu faisais des super vidéos. Donc je me rends compte qu'en plus vous faites tourner le lien de ma chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Bon, sinon, c'était une vidéo de déco à la base, hein? Ouais. Mais bon, j'ai pas mal discuté, mais est-ce que je fais autre chose? Non, jamais, 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 jamais. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, et puis je vous dis à la prochaine pour la suite. À plus tout le monde!